Bonjour à tous, eh bien je vais vous faire une petite vidéo intermédiaire. Pour vous expliquer juste une petite chose, enfin deux trois petites choses. Alors en fait j'avais prévu de vous faire des vidéos à Séville, puisque donc on devait partir avec mon mari 5 jours à Séville. D'ailleurs vous le voyez derrière, vous l'avez aperçu. Il se cache, hein, il veut pas, il fait le timide aujourd'hui. J'ai eu la bonne idée quelques jours avant d'attraper le Covid. Donc bien sûr, adieu le projet de Séville et de l'avion évidemment. Je vous avoue que ça m'a un petit peu secoué, j'ai été bien crevée. Donc là ça y est, j'ai de nouveau le droit de sortir, je vais un petit peu mieux. Donc je suis désolée, du coup moi qui voulais vous faire une surprise et vous faire une vidéo sur Séville, c'est foutu. Donc du coup je vais faire une petite vidéo intermédiaire où je vais vous mettre quelques photos de voyages qu'on a fait les années précédentes, puisque maintenant du coup les voyages ça devient rarissime avec tout ça. Et puis je voulais aussi vous prévenir que dimanche, puisque a priori je vais retrouver la forme, dimanche je repars sur la voie de Genève. Donc je repars de Condrieux pour aller jusqu'au Puy-en-Velay cette fois, donc je vais boucler la voie de Genève. Et donc je pense que je vous ferai des petites vidéos de 4-5 minutes, pas plus, tous les soirs, que je posterai sur YouTube pour vous faire partager cette fin de parcours de la voie de Genève. Donc écoutez, je profite de ma petite balade là, parce que ça fait du bien de sortir, la marche et le chemin me manquaient. Donc mon mari s'est caché, mais il est juste derrière. Tu peux dire bonjour. Allez, belle journée à tous.